Ja. Ah, du son. Tu sens. Normalement, je le dis. L'état soin. Donc, tout le monde est bien réinstallé tranquillement. Ça, c'est Maintenant, il le reste juste à détendre l'esprit. Non seulement l'esprit détendu, mais l'esprit heureux, joyeux aussi. Karechene. Karechene. Ah, Kota. Gengo Chekdo. Kota. Alors, Geshe-la taquine Valérie parce qu'elle dit que Valérie est fatiguée. Parce que, je lui dis pourquoi. Elle dit parce que tu es essoufflée. Ah, je dis, mais est-ce que je vieillis? Et Geshe-la donc répond, donc, mais moi je reste jeune encore. Je suis tonique. J'ai plein de tonus. Et depuis que je suis arrivé à Serra, j'ai beaucoup marché. Et donc j'ai gagné en vigueur, justement, en force. Et ce qui m'a amené à penser que, en fait, c'est une erreur, en fait, que lorsque je suis en France, je ne marche pas suffisamment, en fait. Et c'est mon complice, mon Geshe Losang Gyatso, qui m'amène et qui me dit, allez, on y va, on y va, on y va. Donc, qui m'a poussé. Et hier soir, après l'enseignement, il me dit, allez, on va marcher, on va marcher. Et bien, je l'ai accompagné. Et j'en vois les bienfaits en même temps. Et donc j'espère que vous êtes tous en bonne santé, en forme, en bonne santé, et que vous allez bien. Et nous avons encore une fois une excellente opportunité, en fait, de nous retrouver. Et si l'on y réfléchit bien, en fait, une telle opportunité, avoir à nouveau une telle opportunité, c'est vraiment extraordinaire. Et on peut dire que c'est même impossible à exprimer en même temps. C'est indicible, finalement, le caractère si précieux de cette possibilité que nous avons là, cette opportunité que nous avons de nous rencontrer à nouveau. Alors, Geshe-la se moque de Valérie parce que quand Valérie parle, elle parle avec ses mains. Et il se dit que si on lui coupait les mains, elle perdrait la parole. Mais selon entre vous derrière, apparemment, vous n'en profitez pas. Donc. Mais c'est comme d'habitude, Geshe-la, hein. Même quand vous êtes là, je fais pareil. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui je vois plus. Encore plus. Normalement, je ne regarde pas, mais aujourd'hui je vous voyais plus. Je vous voyais, voilà. Je le vois je plus. Vois. Oui, je vous vois plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Alors, Geshe-la, il y a Pascal derrière moi, si vous le voyez, qui tient absolument à vous féliciter pour votre français, qu'il trouve encore meilleur que lorsque vous êtes en France. Voilà. C'est tout ça qu'il me dit, donc. J'espère que ne pas vous oublier. Mais j'ai écouté beaucoup, encore. Quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, j'ai écouté
leçons de français par YouTube. Ya, ta? Ta kawa pia pia ko jo. Bon, là, il faut que je reprenne le fil. T'inquiète, mon gars. Conta, quand j'ai son son? Gata chupare. Je vois. Et donc. Conta jates. Si j'ai bien entendu, c'est. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Éclaté de rire, etc. C'était trop joyeux. J'ai passé un bon moment. Et ce qui notamment suscite une telle joie en moi, en fait, fait s'élever cette joie, c'est de vous voir, de vous rassembler, tous où que vous soyez, et prêter autant d'intérêt, en fait, être aussi attentif et prêter autant d'intérêt. Et dans le temple, vous êtes assez nombreux, vous êtes pas mal nombreux. Et en ligne également, vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de vignettes un petit peu partout. Et ça, c'est réellement, ça me réjouit, ça me rend très heureux. Et donc, associez-vous, chacun d'entre vous, associez-vous également à cette joie, en fait, d'être ensemble. Et essayons donc progressivement d'élaborer une bonne motivation. Et pensons d'abord, en fait, contemplons le fait que d'avoir obtenu un tel support d'existence aussi disponible, aussi qualifié, donc une précieuse ainsi renaissance humaine, donc avec de telles conditions, est quelque chose de réellement extraordinaire. Et si alors que l'on dispose donc de telles conditions, d'un tel support d'existence, de telles conditions aussi extraordinaires, si on n'en fait pas cas, si on les gaspille, c'est tellement regrettable. Et même de penser que ne gaspiller même qu'un seul instant en fait de ces conditions-là, de ce temps-là, de conditions, c'est quel dommage en fait. Et donc ici, on croit cette ferme détermination de tout faire justement pour ne pas gaspiller ce temps, pour en faire le meilleur usage possible. Et si je ne m'y emploie pas dès maintenant, si je ne le fais pas dès maintenant, alors ça ne va pas.
Pourquoi ça ne va pas? Parce que je vais mourir, c'est inéluctable, et j'ignore absolument quand viendra ma mort. Chu, conta. Et une fois mort, ensuite, vers où je serai propulsé, donc quelle sera ma prochaine existence, ça je l'ignore complètement. Des gens jeunes meurent avant des gens beaucoup plus âgés. Et des gens en bonne santé disparaissent avant des gens malades. En fait, il n'y a strictement aucune logique finalement quant à la disparition des uns et des autres. Et ça, ce sont des choses que l'on peut voir en fait directement. Et ça, Et ça, ce sont des choses en fait que l'on peut voir en fait, dont on a connaissance autour de nous. Et la grande erreur en fait qui est la nôtre, c'est de voir cela se produire donc encore et encore, et finalement de ne pas se sentir concerné, de ne pas relier cela, de ne pas se relier cela à nous-mêmes, de ne pas le prêter à nous-mêmes. Ça, c'est une grande erreur. C'est réellement ce qu'il importe de faire, c'est de se dire moi aussi en fait, moi aussi, de la même façon que ces êtres qui disparaissent de façon contrairement, on pourrait dire, à toute logique, quelque part, moi aussi, je peux disparaître à tout moment. Je ne sais absolument pas quand la mort viendra, ma mort viendra. Ne pas être mort, en ce qui me concerne, là, présentement, ne pas être mort déjà dans la nuit, ça, c'est extraordinaire. De demain ou de la vie prochaine, souvenons-nous toujours que de demain ou de la vie prochaine, nous ne savons pas des deux lequel viendra en premier. Aussi, efforçons-nous en fait de nous préparer continuellement en vue de nos vies prochaines. Parce que si l'on envisage, si on aborde en fait notre existence, la vie de cette manière-là, ça nous sera du plus grand bénéfice. Parce qu'on ne gaspillera pas, on sera moins enclin à gaspiller le temps, notre temps. Et que ce faisant, on est sûr finalement de prendre avec nous en fait un dharma, du dharma et du dharma qui sera de meilleure qualité. En fait, des actions finalement en relation avec le dharma qui seront beaucoup plus puissantes, qui auront beaucoup plus de force. Semki. Et encore une fois, ici, quand on entend cela, c'est réellement d'essayer d'amener cette considération, cette réflexion au plus profond de notre cœur. Ne pas le laisser simplement à un niveau superficiel, intellectuel, comme nous avons tendance à le faire. Mm-hmm.
Des kadam kikishi mampo tête de son sang. Le fait est que nous dénigrons par trop finalement cette méditation sur notre impermanence. Nous la mettons de côté trop hâtivement en fait. Alors que des maîtres Kadampa avaient l'habitude ont eu l'habitude de dire que si l'on ne réfléchissait pas à l'impermanence chaque jour en fait, on perdait en fait cette journée. Même certains sont allés jusqu'à fractionner. Si on ne méditait pas l'impermanence le matin, on perdait la matinée et ainsi de suite. Et ça, qu'est-ce que cela nous montre? Que c'est a fortiori en fait indispensable pour nous en tant que débutants en fait. Alors, est-ce que vous êtes tous des débutants ou pas? Ça, j'en sais rien. Là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Parce que peut-être parmi vous, certains ont déjà accédé à ont obtenu certaines acquisitions ou ont accédé à certaines réalisations élevées. Ça, je ne saurais le dire. Mais qui que vous soyez, en d'autres termes, méditez, s'il vous plaît, contemplez l'impermanence, méditez l'impermanence, la mort, l'impermanence. Imprégnez votre esprit réellement de cette certitude que oui, en effet, vous n'avez strictement aucune idée du moment en fait où surviendra votre mort. Vous allez mourir en fait. Et ça, c'est ô combien vrai, ô combien juste en fait, cela, qu'on n'a strictement aucune idée de ce moment-là. Et pensons que après notre mort, donc une fois mort, la seule chose qui nous sera utile, ce sera le dharma, ce dharma que nous aurons intégré. Ce qui amène naturellement notre esprit à ne vouloir plus que s'adonner en fait au dharma, s'adonner, on pourrait dire, exclusivement au dharma, le mettre en œuvre. Non, et quel important en fait cette pensée là de l'imminence potentielle de notre mort dans toutes les actions auxquelles nous nous adonnons, quoi que nous fassions, que nous allions, que nous venions, que nous faisions telle activité, que nous nous reposions, que nous mangeons, peu importe, intégrons en fait l'imminence potentielle de notre mort à chaque instant. Et faisant en sorte ainsi que toutes les actions, en l'occurrence là, plus concrètement, qu'il s'agisse de prendre refuge, qu'il s'agisse de nous adonner à des purifications de méfaits ou contre accumulation de vertus, peu importe tout cela, faisons-le en sorte que cela ne serve pas de cause supplémentaire à notre errance à travers le cycle du samsara, des existences, pardon.
Et pourquoi cela? Pourquoi vouloir agir ainsi? Parce que l'on comprend en fait que tout ce qui relève du cycle des existences, toutes les expériences qui relèvent du cycle, en fait, sont forcément de la nature de la souffrance. On ne peut pas attendre autre chose du cycle. Et que même... Et que même lorsque les choses, on pourrait dire, se passent bien, entre guillemets, lorsque on a affaire à des choses qui sont bonnes ou qui sont excellentes, en fait, tant que ça relève du cycle, il n'y a strictement, on ne peut pas compter sur ces choses-là. Elles sont vaines, quelque part. Elles ne durent pas, en fait. Elles ne peuvent pas durer. Elles sont comme la balle en fait que l'on vanne en fait, donc cette partie qui possède plus le moindre nutriment en fait, donc cette enveloppe très fine qui s'envole une fois que le blé a été battu. Et à ce stade-là, imprégnons notre esprit donc de ce que signifie finalement être dans le cycle des existences, et partant de là, développons finalement une puissante aspiration à nous en affranchir, à nous en libérer, en comprenant encore une fois que tout ce qui relève du cycle est forcément, toutes les expériences qui relèvent du cycle sont forcément de la nature de la souffrance. Même les expériences de bien-être, de bonheur, elles-mêmes ne sont jamais que de la nature de la souffrance, et l'on ne peut compter sur aucune d'entre elles, en fait, aucune de ces expériences. Aucune ne peut durer, en fait, ne peut se prolonger. Et donc, c'est ce que l'on appelle, en fait, l'inanité, vraiment, du cycle des existences. Et lorsque notre esprit s'imprègne, en fait, de ce caractère vain, finalement, de cette inanité, il ne peut, finalement, qu'aspirer à s'en affranchir. Donc, une fois fort de ce renoncement désormais engendré, si l'on amène notre esprit à s'entraîner aux trois instructions, aux trois entraînements supérieurs, indiscutablement, nous parviendrons à la libération. Nous pourrons, en fait, nous libérer. Ceci étant, en fait, nous serons les seuls à avoir pu ainsi nous libérer. Le fait est que tous les proches de notre vie présente, et plus largement, tous les êtres qui ont été nos proches, dans ce sens qu'il n'y ait aucun des êtres qui n'ait été notre père, notre mère, à travers nos innombrables vies passées, donc tous ces êtres auxquels on doit tant, tous ces êtres donc seront laissés en arrière, donc si on est les seuls à parvenir à la libération aussi. Parce que ici, ce dont il importe d'imprégner notre esprit, c'est de voir qu'il n'est pas un seul être en fait auquel on doit infiniment. Et on ne peut pas simplement être là à constater en fait que l'on doit infiniment à tous les êtres et rester là sans rien faire, parce que même à un niveau ordinaire dans notre société, quelqu'un qui ne répond pas à quelqu'un qui a été particulièrement bon à son égard est considéré comme extrêmement ingrat.
Et donc, c'est désormais ce qui anime notre esprit, ce désir, à notre tour, de manifester notre gratitude, de témoigner de notre reconnaissance. Et lorsque l'on veut manifester notre reconnaissance, on pense en fait à ce à quoi aspirent les êtres, c'est-à-dire la souffrance dont ils veulent qu'ils veulent abandonner ou se protéger, et au bien-être, au bonheur auquel ils aspirent. Et ici, on va d'abord donc développer une puissante compassion en aspirant à ce que tous les êtres soient ainsi débarrassés de leur souffrance et de ses causes. Puis développons une puissante bienveillance en aspirant à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur, une expérience continue de bonheur, et puissent-ils en rassembler toutes ces causes. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Puis je réalise que cette capacité, en fait, de soustraire tous les êtres à leur souffrance, leur procurer le bonheur, je ne l'ai pas pour le moment, et que le seul type d'être qui en dispose, c'est un Bouddha, un être pleinement éveillé. Aussi désormais, ce qui m'anime, c'est cette double aspiration, celle de, en vue d'être bénéfique à tous les êtres, de vouloir parvenir à la bouddhéité. Et lorsque l'on a ainsi engendré cet esprit d'éveil, donc dans sa forme conventionnelle, on peut visualiser que cette bodhicitta prend désormais l'aspect, en fait, d'un disque de lune, donc de couleur blanche, irradiant de lumière, qui vient se placer horizontalement au niveau de notre cœur. Et donc ce disque de lune n'étant autre que la manifestation, en fait, de cette double aspiration. Puis je pense que chacun de ces éléments, chacun de ces facteurs, qu'il s'agisse de moi-même qui ai engendré cet esprit d'éveil, l'esprit d'éveil lui-même, qu'il s'agisse des êtres en relation avec lesquels il a été développé, et qu'il s'agisse encore de l'éveil, donc vers lequel auquel je souhaite accéder, tous ces facteurs, en fait, tous ces éléments sont reliés les uns aux autres. Ils existent en dépendance les uns des autres. Et que même le niveau d'interdépendance est tel qu'il n'existe que comme étant simplement désigné, en fait, comme étant simplement désigné.
Et en fait, bien au-delà de ces éléments, de ces facteurs, il en est ainsi de tous les phénomènes. Il n'existe aucun phénomène qui existerait autrement que comme étant une simple désignation. Qu'en tant que simple désignation. Et c'est ainsi que tous les phénomènes donc sont complètement dénués d'une existence propre, d'une existence de leur propre côté. Ils sont complètement dénués, complètement vides d'une telle existence, et ce vide est désormais la seule chose qui apparaît à notre esprit, et ce vide qui, tout en apparaissant, est perçu et compris comme étant la simple absence d'existence propre, la simple absence d'existence de son propre côté. À la fois cette apparence de vide et la perception, la compréhension de l'absence d'existence propre, donc qu'il signifie, prend alors l'aspect, on peut imaginer qu'elle prend l'aspect d'un vajra blanc à cinq branches et radiant de lumière qui vient se placer verticalement sur le disque de lune à notre cœur. Et l'on peut visualiser que désormais, donc, à la fois cet esprit d'éveil conventionnel ou relatif et cet esprit d'éveil ultime que l'on vient d'engendrer irradie en fait une puissante lumière qui vient dissiper complètement tous nos voiles, à la fois nos voiles des perturbations et nos voiles à la connaissance, nous transformant radicalement et nous permettant ainsi de parvenir à la bouddhéité. Puis on visualise que de nouveau, donc à la fois de ce disque de lune qui est l'esprit d'éveil relatif et du Vajra, donc qui est l'esprit d'éveil ultime, de nouveaux rayons de lumière irradient très puissamment, irradient et ici débordent en fait de notre corps, donc sortent par nos pores. À l'extrémité de ces rayons de lumière se trouve un disque de lune, autant de disques de lune donc et de Vajra qu'il y a de rayons de lumière, et chaque rayon de lumière va toucher l'infinité des êtres. Ces rayons, ces vajras, ces disques de lune et ces vajras viennent se placer sur le sommet de la tête de chaque être, viennent descendre au niveau de leur cœur et commencent pareillement donc à irradier donc des rayons de lumière et purifiant ainsi donc les deux voiles de chacun des êtres, autant les voiles à des perturbations que les voiles à leur connaissance, transformant ainsi donc radicalement chacun des êtres et les conduisant à la bouddhéité. Et au terme donc de cette visualisation, on ressent ici une très puissante joie.
Et à ce stade, à présent, on prend la détermination de considérer le développement de ces deux esprits d'éveil relatifs comme ultimes, comme étant en fait l'axe principal ou l'essence, le cœur même de notre pratique. Mais notre capacité finalement à arriver à développer ces deux esprits d'éveil dépend étroitement de notre capacité à avoir pu au préalable donc purifier suffisamment notre courant de conscience et procéder aux accumulations, aux deux accumulations. Ancrant néanmoins au préalable cette détermination en fait, je vais utiliser en fait chaque instant qu'il me reste de cette existence à fournir tous les efforts possibles pour développer ces deux esprits d'éveil. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je suis présent ici aujourd'hui et que je m'apprête donc à exposer ou à écouter l'enseignement. Et dans la mesure où pour arriver donc à développer ces deux bodhicitta, c'est-à-dire pour arriver à écouter cet enseignement et ensuite finalement plus que l'écouter pour arriver à le mettre en pratique justement en vue de développer ces deux bodhicitta, il me faut donc m'appuyer autant sur une purification intense et sur une accumulation. Et c'est la raison pour laquelle, donc comme à l'accoutumée, je fais apparaître à ce stade ici en face de moi dans l'espace ce qui a pour essence mon maître principal qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, qui est lui-même entouré donc de tous les Bouddhas et des Bodhisattvas, et que je me perçois moi-même entouré de part et d'autre de l'ensemble des êtres, mes mères, des êtres des six classes, qui sont tous sous forme humaine, et qui, comme moi, en fait, redoutent de faire l'expérience des souffrances générales du cycle des existences, et des souffrances même propres notamment aux états d'existence infortunés, et qui nous tournons, en fait, vers donc les objets de refuge, avec cette confiance donc dans leur capacité, donc au vu de leur qualité, dans leur capacité de nous préserver de ces souffrances. Et c'est en nous tournant vers eux donc que nous allons prendre refuge en eux et adresser ainsi, comme à l'accoutumée aussi, la louange au Bouddha Shakyamuni, le Sutra du cœur. Page 73 dans les livres dorés. Question Ramdian Joas. Lama tampa chanden de shinshe paja jamba yanda pa zope sangye rikpa dangja sutempa
De wache pa jiten ge kien pa ke po de we ka lo gyur wa la na me pa la da mi nam gi tam pa sange cham dan de pel gyur wa sha kya tu pa la cha tsa lo tu tu kya psu chi om. Maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux, conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aussi, ça s'appelle les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan, de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande nation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits.
En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taryata gate gate para gate para sam gate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, arya, avalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi ». C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes s'en réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lionne. O kala cebene yotan bade, müşe dedi mevet dojini gibi obalamı. Ne zogan de dola çadı, o aga samara. Aga samara. Aga zamanında cedara tamara ya be daya ta gati gati para gati para tam gati bodi to ha ha ba günce olsun diye kaydedeni to ki çırılı to ba cüzi ne ba cüzi içi para cüzi ta ge ba cemizi bir çore ba tam diye şimdi okuru to ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Offrande de mandala, page 98 dans le livre doré. Sachi pegi jun shim tu chari ralin je nye de gyan pari sa Yeah.
En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On va lire les deux prologues. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix, à cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes. Je rends hommage. Alors, donc nous reprenons à la strophe 27 et le début de la 28. Ce qui est affirmé sous le nom de principe et ce qui est imputé en tant que soi et souhait ne surviennent pas sciemment. Après avoir pensé « je vais survenir », s'ils ne sont pas produits et qu'ils n'existent pas, alors comment aurait-il le souhait de créer ? Donc ici, Shantideva réfute en fait les thèses des systèmes philosophiques non bouddhiques. Donc celui des Samkhya, ici on le verra, et celui des Nyana. Chitou,
Donc, juste... Alors ici, simplement comme préambule, un peu resituer la théorie, enfin tous les principes qui régissent chacune de ces autres philosophies, simplement pour dire ceci, parce que Shantideva va réfuter ces arguments. Donc, que disent les Samkhya? Eux, ils érigent l'idée d'un principe général, ou d'un principe général, qui est finalement le créateur de tout. C'est-à-dire un principe général qui est à l'origine, qui a créé, en fait, qui est l'agent qui a créé l'environnement et les êtres qui peuplent cet environnement. Donc, il y a absolument tout créé. Il considère que ce principe général, en fait, est défini comme étant un équilibre de ce qui est agréable, désagréable ou neutre. Donc ça, c'est simplement comme information. On n'en fera rien de plus là. Et il considère par ailleurs que le principe général est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire qui lui-même n'a pas été produit, en fait, qui lui-même n'a pas été créé. Et de surcroît, donc, que c'est quelque chose qui existe de par lui-même, donc qui existe en soi, de par lui-même. Donc ça, c'est pour la théorie des Samkhya. Et ensuite, ce qu'on va retrouver dans nombre donc de théories ou de philosophies non bouddhistes, c'est ensuite la notion du soi. Donc comment est stipulé un soi? Le soi va être considéré donc par les philosophies non bouddhistes comme étant quelque chose qui est permanent, comme étant quelque chose qui est unitaire. Donc sous-entendu qui n'est pas constitué de parties, c'est dans ce sens qu'on comprend unitaire, qui est unitaire et comme quelque chose qui est indépendant, en fait, qui existe de par lui-même, qui fonctionne de par lui-même sans dépendre d'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. D'accord, Ravan Tchouvare, Flavio. Non, non, non. D'accord, il y a eu Long. Et ce qui implique pour eux que donc le soi donc quelque part fait usage des objets, on peut dire jouit des objets ou se sert des objets, interagit dans ce sens-là hein, quand on dit jouit des objets. Donc se sert des objets, utilise les objets. Et en fait, ces philosophies-là considèrent que le soi, ou ces philosophes considèrent qu'un tel soi se sert des objets ou les utilise de manière indépendante. En fait, qu'il ne dépend de rien d'autre que de lui-même pour en faire usage. Ça, c'est leur postulat. Mm-hmm.
所有的结婚的是老婆呀呀结婚的是吧结婚的是老婆对结婚了就是那所有的结婚因此来源这个呢那都过来了反正这个呢啊可是的你的切都你切过三百真的有的不能真的要么学习 alors comme il possible 那种路怕耽误 attendez 真的要么的是真没了人家切过三百真没了是吧但人家切努力的为了呢c'est une goutte. Calé, calé, compte. Jean-Luc, le roi Mindou, tu es en compte. Jean-Luc, le roi. Jean-Luc, il t'entend. Quand tu dis, c'est une goutte. 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 Jean-Luc, là, quand est-ce qu'on se tient sur vous, quand est-ce qu'il y a deux Yomarova? Yomarova. Alors, excusez-moi, j'ai des problèmes de son par moment. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ce principe général, en fait, a créé, donc ainsi, tous les phénomènes. Ce principe général est quelque chose, donc, qui est lui-même permanent et qui est complètement indépendant. Et ce que va dire... alors, je vais utiliser volontairement le terme « notre système », parce que ça reviendra souvent quand on va étudier les systèmes philosophiques. Donc, c'est notre système, c'est-à-dire notre courant de pensée, c'est-à-dire celui de Shantideva ici. D'accord. Donc, lui, c'est carrément déjà dit Tengurwa, je vois. Jean-Luc Sénat dit Tengurwa. Donc, en fait, c'est le système des Madhyamika Prasangika, des conséquentialistes. Voilà. Quand Shantideva va dire notre système, c'est il se situe du point de vue des Madhyamika Prasangika, des conséquentialistes. Et donc, ce que dit Shantideva à cela, c'est que concrètement, en fait, et comme tout philosophe bouddhiste, au demeurant, il réfute l'idée d'un principe général en tant que d'un créateur indépendant. En fait, tout le philosophe bouddhiste va réfuter l'idée d'un créateur qui aurait créé l'ensemble des phénomènes et qui serait quelque chose d'indépendant. Et donc, Shantideva ici, donc les Prasangika, vont amener cet élément en disant, mais vous dites que ce principe général a créé les phénomènes, qu'il est permanent, qu'il est indépendant. Mais ce principe général n'a jamais pensé, en fait, je vais créer les phénomènes, n'a jamais eu l'intention de produire, donc de créer les phénomènes. Et donc, allez. Non. Donc, d'une part, donc. Non. Et donc à cela, donc Shantideva, donc le système des Prasangika réfute donc d'une part ce principe général n'a pas intentionnellement en fait créé, n'a pas eu la pensée en fait de créer, de produire les phénomènes, et il considère donc qu'il n'existe pas. Donc ça c'est la vue des Prasangika. Et en fait ils vont plus loin, ils disent que tout simplement ce principe serait incapable en fait de produire de tels résultats, à savoir produire donc ici les différents phénomènes. Pourquoi cela? C'est parce que lui-même en fait est quelque chose de permanent.
C'est ce que stipulent en fait hein, les samkhya ici. Dans la mesure où le principe général est quelque chose de permanent, il n'est pas en capacité lui-même de produire quelque chose d'autre en fait. Il est dans l'incapacité de donner naissance à un résultat quel qu'il soit. Donc ce qui amène notamment encore, enfin c'est un élément de plus pour les prasangika de réfuter son existence. Donc de poser ainsi donc un principe qui aurait ainsi créé en fait quoi que ce soit, ça c'est irrecevable donc pour notre système. Alors, tout comme au demeurant, le caractère indépendant du soi, en fait, on se rappelle, hein, donc quand est posée la notion de soi, pour les systèmes philosophiques non bouddhiques, le soi est permanent, le soi est unitaire et le soi est indépendant. Donc ici, c'est l'indépendance du soi qui est réfutée. Et Shantideva poursuit, ça c'est la fin de la strophe 28, en nous disant, puisqu'un tel soi, donc sous-entendu, un soi qui serait donc permanent, unitaire et indépendant, puisqu'un tel soi s'orienterait toujours vers son objet, il ne cesserait jamais de le faire. Des chamblans, tu vois? Et en kachik son tang. Et donc c'est ce que dit en fait la dernière partie de cette strophe, c'est que si donc un tel soi utilisait en fait de manière complètement indépendante son objet, c'est-à-dire ce par ici, c'est-à-dire utiliser c'est des termes on n'a pas l'habitude de parler comme ça en français, donc c'est pas forcément évident quand on entend, mais quand un talon sous le chapa fait je vois. T'as des dax c'est quoi dit quand des yul nyonwa c'est na. L'on souche pas des capsules dit nyonwa l'amna digerwa. Nyonwa c'est un tas de jokerwa. Pour que ça ait plus de sens de suite parce que c'est pas ça qui est compliqué. Pour dire que le soi, en fait, si le soi, on pourrait dire faisait l'expérience, on pourrait le tourner ainsi, en fait, faire utiliser l'objet ou jouir de l'objet, en fait, ou se servir de l'objet. Ça ici dans ce contexte-là, ça veut dire faire l'expérience de l'objet, en fait. Donc si un tel soi faisait l'expérience de l'objet de manière indépendante, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il serait contraint d'en faire continuellement en fait l'expérience, en fait, puisque ce soi est permanent, unitaire et indépendant. Ce qui voudrait dire en d'autres termes que si on entendait un son, si un tel soi permanent, indépendant, unitaire, indépendant entendait un son, il entendrait continuellement en fait ce son, en fait, il en ferait continuellement l'expérience. Quand est-ce? Et donc il considère donc comme on l'a dit de plus donc le soi est permanent. Ce qui voudrait dire quoi en fait? Ça voudrait dire que un soi permanent donnerait naissance lui-même à des résultats, en fait, produirait des résultats. En fait. Et c'est là où Shantideva poursuit, donc en disant, donc si le soi était ainsi permanent, il serait forcément inactif tel que l'espace, ou aussi inactif que l'espace. Mm-hmm.
Et l'analogie ici est donc celle de l'espace, en particulier donc l'espace non composé, qui est incapable lui-même de donner naissance à quoi que ce soit, de produire quoi que ce soit, et donc parce qu'il est permanent. Et donc ce qui serait le cas d'un tel soi, de fait. Gontayan Kachik. Chicken la tenez. Chicken tenez, allez, los. Et donc, ce que disent ici les philosophes non bouddhistes, ils disent, mais ça ne réfute pas le fait que le soi soit permanent. Parce que le soi, en tant que en lui-même, est bel et bien permanent, mais lorsqu'il rencontre certaines conditions, donc lors de la rencontre de certaines conditions, il peut donner naissance à quelque chose, il peut produire quelque chose. Et c'est ce que réfute désormais Shantideva, donc dans, à la suite, lorsqu'il dit, et même s'il rencontrait d'autres conditions, donc on est toujours avec ce soi permanent, donc même si un tel soi permanent rencontrait donc d'autres conditions, comment ce qui est immuable serait-il affecté? Si au moment de l'action, il est ce qu'il était auparavant, en quoi cette action l'affecte-t-elle? En fait, c'est-à-dire que ce soi permanent, en fait, dans la mesure où il est permanent, même s'il rencontre en fait des conditions extérieur à lui, peut-on dire. Dans la mesure où lui-même est immuable, ça veut dire que d'instant en instant, il ne change pas, et que la rencontre avec ses conditions extérieures ne l'affecte d'aucune façon, en fait. Ça veut dire que sa nature, son essence, hein, si quelque chose est permanent, sa nature, son essence étant permanente, elle est immuable. Rien ne peut l'affecter, en modifier finalement son cours, en quelque sorte. Chichiché, c'est non? Allons. Et donc, quel pouvoir en fait aurait un tel soi finalement? Quelle aptitude en fait qu'est-ce qu'un tel soi serait capable de faire? Et de plus, Shantideva au demeurant même va encore plus loin que cela, dans la mesure où il montre qu'il n'existe pas de relation finalement entre un tel soi permanent et des conditions. Et il met cela en évidence avec cette question. Et si l'on dit que cette, il poursuit son, c'est Shantideva qui poursuit son raisonnement. Et si l'on dit que cette production, et si l'on dit que c'est cette production qui l'affecte, quelle relation y aura-t-il alors avec le soi? Quelle relation aura cette production avec le soi? Donc, qu'il aurait généré. En fait, si on reste dans la logique donc de ces c'est les logiciens liniennes, s'il y a un soi permanent en fait qui donne naissance à un résultat, donc tel qu'il le considère, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui relie en fait ce soi permanent et ce résultat? Quelle est la nature du lien en fait qu'ils entretiennent, de la relation? Là-haut.
Alors ici, il faut, c'est des points donc qu'on n'a pas encore étudiés par ailleurs forcément, mais il faut savoir qu'en fait, il ne peut y avoir que. Et d'ailleurs, on l'a très bien si vous avez le texte dans le en note, c'est très bien expliqué en note. En fait, il ne peut y avoir que deux types de relations. Enfin, des phénomènes ne peuvent entretenir que deux types de relations. En fait, soit il s'agit d'une relation de même identité. En fait, soit il s'agit de ce qu'on appelle une relation, je crois que là c'est pas mal, c'est une relation de provenance, pourquoi pas. C'est-à-dire une relation de cause à effet, pour le dire simplement, d'accord? Ou une relation de même identité, c'est-à-dire de même nature. Dani Ching, non. Tu es en train de parboyina, non, non, non. Donc, déjà, le premier type de relation, on peut le réfuter d'emblée. Pourquoi cela? C'est parce que si ce soi, un soi permanent, avait un lien, donc, avec un lien d'identité, en fait, il partage une même identité avec son résultat, ça voudrait dire que dans la mesure où le soi est permanent, le résultat devrait l'être aussi. En fait, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. Et si l'on regarde alors du coup sur le seul type de lien possible, donc il reste de relation possible, c'est ce lien ou cette relation de provenance, et comme on l'a dit, c'est de cause à effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat donc est bien un résultat, un effet d'une cause. Donc ça voudrait dire du coup que le soi en fait serait causal. S'il est causal, c'est que c'est un phénomène qui est impermanent, ça n'a plus du tout affaire à un permanent. Alors, souvent c'est pas clair quand je le dis en français. Donc, en fait, c'est on a quelque chose, une cause, c'est un phénomène qui est impermanent. Alors que là, le soi, il est postulé comme étant permanent. D'accord? Donc là non plus, le fait d'avoir affaire à un résultat, donc à un effet, si on regarde du point de vue des relations de provenance ou des liens de provenance, on se rend compte que non plus c'est pas possible, puisque le résultat en fait lui-même provient d'une cause et que du coup ce soi permanent serait une cause, donc serait un phénomène impermanent et non plus permanent tel qu'il est stipulé par les logiciens. Donc, on ne peut pas non plus, donc finalement, il n'existe pas donc de relation, on ne peut pas stipuler une relation entre le soi, un soi permanent et donc là, les conditions, donc les résultats après, que donneraient ces conditions. Et donc, c'est ce que avance ici Shantideva, donc à ses philosophes, en leur disant que non, un soi permanent, en fait, ne pourrait pas donner naissance, en fait, à un résultat. Donc, quelque chose qui ne serait pas de la même nature que lui, en l'occurrence, ne peut pas produire, en fait, quelque chose. Il y a quelqu'un dont le micro semble allumé en ligne. On peut poser une question? Non, non, désolé. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut poser une question? Alors, on écrit, tu peux nous écrire. Merci beaucoup. Apparemment, oui, c'est techniquement pour Tsanka, ce serait plus facile si vous écriviez sur le chat vos questions, s'il vous plaît. Excusez-nous. Oui, merci beaucoup. Et comme je vous l'ai dit hier, donc la digression est là, il y aura un espace pour aussi des questions ce soir, donc dans la dernière session cet après-midi. Et donc écrivez-la, faites-la remonter via le chat par exemple. Je terminerai 15 minutes avant, à peu près un quart d'heure avant. Non, non, los. Et donc là maintenant on passe à un autre aspect, donc désormais, dans lequel Shantideva donc va nous dire, ayant conçu donc tous les phénomènes, ayant conçu tous les êtres comme des illusions,
il est incorrect donc de se mettre en colère. Donc il reprend le développement en fait de l'inanité finalement de la colère ou du caractère infondé en fait de la colère en développant avec d'autres éléments. Djibu. Donc tous les êtres, donc autant que nous sommes, quel qu'être que ce soit, tous les êtres sont des résultats. En fait, sont des on peut dire oui, des produits, des résultats. Et dans cette strophe 31, donc désormais Shantideva nous dit ainsi toutes les choses existent en fait sous le pouvoir d'autres choses qui sont elles-mêmes sous le pouvoir qui existent elles-mêmes sous le pouvoir d'autres choses. Donc ces résultats ne sont donc pas de leur propre ressort en fait. Ayant compris cela, je ne me mettrai pas en colère contre les fonctionnants qui sont tels des apparitions. Ça peut nous paraître très général la strophe ici, mais on peut remplacer le terme de chose finalement par toutes les nuisances finalement, ou toutes les choses indésirables. Donc qu'il s'agisse de choses inanimées ou qu'il s'agisse d'êtres, les fameux ennemis, les êtres antipathiques, voilà, c'est tout ce cortège dont il est vraiment question ici. Donc puisque c'est ça qui a priori va susciter notre colère. Donc toutes les choses, on peut dire indésirables, si on veut le garder le plus simplement ici, toutes ces nuisances, toutes ces choses indésirables, elles-mêmes donc existent sous le pouvoir, en étant sous le pouvoir d'autres choses, en fait d'autres choses, qui elles-mêmes donc existent, qui sont encore sous le pouvoir d'autres. Voilà. Donc ces nuisances, les résultats ici, c'est ces nuisances finalement qui en découlent, ne sont pas en fait du ressort donc de ces êtres là en l'occurrence. Ce qu'il nous faut voir ici, c'est ce qu'il faut ici disséquer. En fait, c'est que la personne qui nous cause du tort, nous nuit, on peut dire, ne le fait pas, on peut dire, volontairement, intentionnellement, en ce sens que la personne en amont est elle-même le jouet de sa propre colère, en fait. Et c'est sous l'emprise de la colère qu'elle en vient, en fait, à nous nuire. Donc, ou à éventuellement vouloir nous nuire. Il peut y avoir de ce point de vue-là. C'est pas à ce niveau-là quand on dit elle ne le fait pas sciemment, c'est-à-dire dès le début, sans colère, en fait, elle-même, sans être dérangée ou sans colère, cette personne-là ne va pas nous nuire, en fait. C'est ça qu'il faut entendre ici. Parce que notre lecture souvent est rapide et on pourrait hâtivement finalement penser que bah, l'autre, bien sûr, il le fait exprès de nous nuire. C'est volontairement. Et en fait, c'est un raccourci malheureux, là, on peut dire en l'occurrence. En fait, la personne initialement n'a pas d'intention de nous nuire. Il n'y a pas cette volonté, ce désir de nous nuire. Cette personne, à l'esprit de cette personne, apparaissent en fait différentes choses. À la réunion de différentes causes et conditions, surgissent différentes apparences en fait. Elle perçoit différentes choses ou elle projette différentes choses. Et en vue de cela, sa colère donc va s'élever et sous l'emprise de sa colère, devenue désormais le jouet de sa colère, elle va nous causer du tort. Yankachi gotu, contra. Yankachi gotu.
자디기 밀어 넣어줘야 돼요. 제안을 좀 좀 말해서. Ouais. Tu dis, quand tu par quand tu dis sur une nouveauté, tu as des tests tout déjà. Et une personne, en fait, vient nous nuire en dépendance de conditions, en fait. C'est au vu de la réunion de certaines conditions qu'une personne vient à nous nuire. Mais ces conditions elles-mêmes sont aussi sujets à d'autres conditions, en fait, pour exister. Elles dépendent aussi d'autres conditions. Et donc, elles ne sont pas indépendantes, en fait. Donc, Et donc toutes ces choses indésirables, donc pour en faire une généralité ici, donc au sens large, toutes ces choses indésirables, donc n'existent pas de manière indépendante, n'existent pas elles-mêmes de manière indépendante, n'agissent pas de manière indépendante. Elles dépendent pour exister et pour agir d'autres conditions qui elles-mêmes sont aussi indépendantes, en fait. Qui elles-mêmes aussi ne sont pas indépendantes, qui dépendent elles aussi donc d'autres causes et d'autres conditions, de sorte que finalement toutes les apparences en fait qui s'imposent à nous sont semblables à des illusions. Au final, ce qui veut dire que ce contre quoi on se met en colère, c'est-à-dire ce qui apparaît à notre esprit, ce contre quoi on se met en colère, n'existe pas de cette manière-là, n'existe pas indépendante telle que, en fait, on lui prête cette existence-là. Ce qui apparaît à notre esprit existe en dépendance, donc d'une multitude ici de conditions qui sont elles-mêmes dépendantes d'autres. Et donc, du fait, la colère n'a plus de mise, finalement. En fait, n'a pas de mise au vu de cette compréhension-là. Et donc, ce qui amène à sourire, au moins. Eh ben, c'est le moment. Allez prendre l'air, sortez, et puis voilà, souriez, justement. Souriez de cette... Et donc, arborez des mines radieuses les uns vis-à-vis des autres et n'arborez pas des mines renfrognées. Sashi peki shoshi meto jari rani jeni de genpati sangye jintu mite pirwaye joki nama jayla shepa shu idam guru ratna mandala kamya yatimi Kamiya ummi sadhujikos. J'ai pas entendu. Yankachik? Kamiya ummi. Bon, je l'ai entendu un peu différemment à la fin. mais c'est le son qui a été. Il y a une distorsion de son. Oh, je parle en français maintenant. Ganja kanesti ja kun chanson. Christian Sagido. Ah, yeah. Christian yeah, Sagido. Yeah. Christian, tu m'y vois, tu es un chamarois. Tout à l'heure. 15 minutes, ya. Déjà, Sandy, tu sais, tu t'en encore moins nichou, tu vois.